manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le kitty. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le changer. Bienvenue mon papa adoré. Papa, moi je suis trop fière de te voir. Moi aussi ma fille, tu m'as beaucoup manqué. Ah, nous voici non. Toi aussi tu m'as manqué. Comment vont les gens au village? Tout le monde va bien. Dis-moi, ton mari a quoi? Mais c'est quoi cette mauvaise manie-là? Papa, laisse. Il y a les jours comme ça. Peut-être la m'énerve au travail. Ça s'est pas bien passé. Mais tu vas voir, d'ici quelques minutes, il va sourire jusqu'à... Tu as des gens qui rient beaucoup. Toi, même si c'est ça. Ça va passer. À job. J'espère que ce n'est pas comme ça tous les jours. Hein. Non, papa, ce n'est pas ça. Ouais, toi aussi. Ah. Toi, tu ne rentres pas souvent fatigué quand tu sors du champ. Tchakonte, mon fils. Oui. Je dis, hein, il y a un problème. Mais c'est quoi cette impolitesse-là? Je suis juste un peu fatigué. Fatigué, je comprends. Mais ne même pas nous dire bonsoir, je suis dépassé. J'espère que tu ne traites pas ma fille comme ça, hein. Je suis dans la chambre. Kobikaï, je vois que tu as chaud ici en ville, hein. Va faire tes affaires dans ton village. Hein, où? Non, papa, laisse-moi dans ma chaleur, pardon. On a chaud partout. En passant, je veux moi rentrer. Avec ce genre de comportement-là, je ne peux pas tolérer. Et puis, j'ai mes petits problèmes de rhumatisme-là. J'ai mal au pied à cet âge. Je n'arrive pas à bien marcher. Papa, tu n'arrives pas à bien marcher, mais tu mets une chaussure noire cirée qui te serre comme ça, là. Kobika, n'exagère pas. Hein. Ma fille est mariée en ville et pas n'importe qui. Tu veux seulement qu'on me prenne comme qui au village? Papa, pardon. Porte la chaussure, si prends encore le que tu mets dedans. Porte tes chaussures, pardon. Faut porter. Je vais rentrer. Tu sais que je ne fais plus rien au champ. J'ai mes problèmes. J'ai besoin d'argent. Papa, tu ne peux pas me dire ça avant que tu n'arrives ici. J'aurais dit à Tchakounte, là, il aurait préparé de l'argent pour toi. Mais bon, ce n'est pas un problème, non. Tchakounte, il a toujours l'argent. Il va gérer ça. Alors? Tchakounte! Tchakounte, oh! Papa veut déjà rentrer, il faudrait que tu lui donnes l'argent pour son transport. Je dois rentrer, j'ai besoin de 50 000. Seulement 50 000. Je dis un Kobikaï. Tu crois que c'est sur mon fond si qu'on fabrique l'argent? Je suis devenu la banque ou bien l'UNICEF ici où ta famille vient rester. Samba? Yahweh! Hey, 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 hey. Chétien, Kobikaï, c'est quoi ça? Papa, calme-toi. Vous exagérez. Ici dans la maison, ta famille peut venir au moins 15 fois en un mois. Tu as déjà vu ma mère ici combien de fois? Je dis, papa, ta fille Gobika ne travaille pas. Ou bien tu n'as pas d'autres enfants qui peuvent te donner de l'argent. Faut pas aussi exagérer. Si je comprends, tu veux que je parte? Il faut partir. Donne-moi 50 000.
Donne-moi 50 000. La semaine passée, j'ai donné 100 000 francs à ta fille pour te donner. Deux jours plus tard, tu es arrivé à mon bureau. Je t'ai remis 40 000 francs. Deux jours encore plus tard, tu m'appelles. Je t'envoie 20 000 francs. Faut pas exagérer. Donc quand tu me donnes ton argent là, tu tapes sur la machine, tu comptes tout. Je vais même taper sur les calculs. Je vais compter. C'est quel genre de famille ça? Que le beau-fils ne peut pas respirer. Vous avez d'abord vendu votre fille. Maintenant, c'est encore l'argent que je dois vous donner. Tchakunte, tu sais, ce n'est pas tes petits 10 millions que tu as donné pour la dot là, que tu penses que tu as trop fait, hein, avec une maigre chèvre et deux maigres porcs. Il y a encore d'autres traditions derrière. Hein. Je t'attends au village. C'est là où tu vas me sentir. Un petit 50 000 comme ça, tu commences à m'insulter. D'ailleurs, moi j'ai dit, non, il n'y a pas d'argent en banque. Tout est fermé. D'ailleurs, il y a même ville morte. Gobikai, c'est ça que vous avez les choses là qui sont comme les cas de visite. Ouais, papa, toi aussi. Ya, quand tu es venu là, tu as vu qu'il y avait les arbres d'argent quelque part là-bas. Pourquoi je n'ai pas pris ta part? Tu veux seulement qu'on me chasse ici. Ya, je ne t'ai pas envoyé l'argent la semaine passée, papa. Ya, tu dis que tu parles, non? Faut partir. Faut partir. Moi, je vais compléter le reste en semaine et je vais t'envoyer l'argent. Tu vas acheter tout ce que tu veux au village. Je t'envoie même les provisions si tu veux, mais faut partir. Ma fille, donne-moi 300, non? Je paye la moto pour arriver à l'agence.